Pierre Jean Barre. Donc, comme vous le savez, on a déjà eu un premier atelier qui s'est tenu la semaine dernière et dont le thème central a été le cerveau. Donc, tout le propos portait sur le cerveau, ses caractéristiques, sa composition, etc. Aujourd'hui, ça sera autour du thème de l'intelligence ou des intelligences. Donc, déjà, je vous souhaite bonne participation, tout en vous rappelant qu'il y aura un troisième atelier qui se tiendra vendredi prochain, le 27, et sur un autre thème, cette fois-ci, c'est l'apprentissage. Comme annoncé et dans les messages qui vous ont été acheminés, les personnes qui auront participé à ces trois ateliers de manière suivie, d'affilée, donc auront droit à un certificat de participation. Et comme il y aura d'autres activités sur des thèmes approximatifs, on peut déjà penser, notamment pour les étudiants, à voir comment intégrer ça dans un cursus sous forme de crédit. Donc c'est une réflexion qui se fait, qui est entamée au niveau de la faculté des sciences de l'éducation. On sait que c'est très difficile dans la rue, donc on a reçu pas mal d'appels des gens qui étaient en route, qui ont rebroussé chemin parce que il y a une manifestation, des manifestations dans la rue, mais sans doute on aura des gens qui seront branchés pour suivre. Donc déjà, encore une fois, bonne participation. Et voilà, je vous passe vos soeurs. Merci beaucoup. Bon, je suis un peu loin, je pense que je vais pouvoir faire sans masque. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on a vu la fois dernière en fait qu'il y avait beaucoup plus de monde en ligne qu'en présentiel. Donc salutations à celles et ceux qui sont en ligne également. Normalement, les vidéos cette fois-ci devraient être plus visibles puisqu'elles vont passer en direct. Voilà, donc si vous vous souvenez la dernière fois, on est parti sur le cerveau. Bon, des connaissances qui vous paraissent peut-être un petit peu loin de l'apprentissage, rassurez-vous, on va de plus en plus s'en rapprocher, sachant qu'aujourd'hui, donc, on va essayer de parler d'intelligence, et puis on va sans doute aussi commencer à reprendre prendre quelques conditions pour un bon apprentissage, partie qui donc se poursuivra la fois prochaine. Donc on avait déjà entendu Monsieur Jacquard, Albert Jacquard, qui nous parlait d'intelligence la dernière fois, de ce fantastique effet sur le cerveau à chaque fois que l'on apprend quelque chose de neuf, puisque que ça soit pour apprendre à jongler, que ça soit pour apprendre à lire du braille, apprendre un instrument de musique, eh bien on constate que notre cerveau crée des neurones et des synapses et que même ça peut se constater physiquement. Donc on peut, en exagérant un peu, on pourrait dire muscler son cerveau, c'est-à-dire le rendre encore plus efficace. Et Albert Jacquard, si vous vous souvenez ce qu'on a dit à la fin, va jusqu'à dire que bien, l'enfant, l'homme, est en construction de lui-même, de son intelligence, et cela dure toute la vie. Alors l'intelligence, grande question. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? On va commencer plutôt par des questions d'ailleurs. Sur quels critères estimons-nous que quelqu'un est intelligent? Ceux qui ont déjà été dans des classes ont peut-être tendance à dire « Ah tiens, bah oui, on a repéré tout de suite que celui-là est intelligent » ou au contraire que celui-là ne le serait pas. Donc est-ce qu'on juge que quelqu'un est intelligent sur ses performances scolaires? Est-ce que c'est sur son QI? On en a déjà parlé un petit peu, ce fameux quotient intellectuel qui serait déterminé définitivement. Est-ce que c'est sur une capacité à reproduire des procédures? Par exemple, eh bien je sais résoudre une équation du second degré, je le sais le reproduire plusieurs fois. Est-ce que c'est de l'intelligence? Est-ce que c'est sur des connaissances? Sur la capacité à comprendre facilement? Sur sa culture? On se rend compte que selon les sociétés dans lesquelles on va, bien parfois, même les relations sociales sont signes d'intelligence. Et pour être un bon chef, il faut être très doué en relations sociales, alors qu'on n'a pas besoin d'être bon en mathématiques.
Dans nos sociétés, à nous, on a plutôt tendance à dire qu'il faut des mathématiques partout. On y reviendra. Est-ce que c'est sur la capacité à résoudre des problèmes, ou du moins à les résoudre facilement, c'est-à-dire sans fatigue, avec non seulement efficacité, mais on pourrait dire efficience. Mais en fait, la nature elle-même qui nous entoure nous montre que l'intelligence est partout. Donc, je vous propose de regarder un petit clip, une espèce à part, intelligence. L'homme n'est peut-être pas le plus grand ni le plus fort sur Terre, mais c'est le seul à avoir développé l'intelligence. Un cerveau exceptionnel qui lui permet d'anticiper, de comprendre, d'inventer. Un cerveau qui lui confère une supériorité indiscutable. Mais qu'est-ce qui définit vraiment l'intelligence? Est-ce la capacité à résoudre des problèmes complexes? À ce jeu-là, les corbeaux se débrouillent plutôt bien. L'utilisation d'outils, alors. Il n'y a pas que les singes ou les oiseaux qui en utilisent. Les poulpes, qui, en plus de leur cerveau principal, possèdent un cerveau indépendant dans chaque bras, sont capables de prouesses insoupçonnées. Le langage, voilà une spécificité bien humaine. En fait, non. La majorité des animaux communiquent de manière complexe. Les abeilles peuvent expliquer précisément où trouver quel type de fleur, en dansant. Les grands singes comprennent la langue des signes et peuvent même la transmettre à d'autres. Ils ont aussi des capacités de calcul mental comparables aux jeunes enfants. Même les plantes communiquent entre elles. Les acacias peuvent prévenir chimiquement leurs voisins lorsqu'ils se font manger. Un avertissement leur permettant de sécréter à temps des toxines dans leurs feuilles. Que reste-t-il aux humains qui leur soit propre? La conscience de soi? La mémoire à long terme? L'empathie? Le jeu et l'humour? Ces critères d'intelligence ont tous été observés à maintes reprises chez de nombreuses espèces, des plus évidentes aux plus inattendues. Même la créativité de l'être humain doit être relativisée. Des centaines de milliers d'années avant même l'apparition des humains, les fourmis avaient déjà inventé l'agriculture, l'élevage, les classes sociales, le travail à la chaîne et les réseaux de communication. Si l'on y regarde de plus près, nombre des inventions humaines ne sont en fait que de pâles copies du monde vivant qui l'entoure. Finalement, alors qu'il ne parvient même pas à définir l'intelligence des espèces qui l'entourent, la supériorité du cerveau humain ne serait-elle pas insignifiante? Voilà, plutôt des questions qui sont posées. Est-ce que l'intelligence est l'apanage de l'homme? Et qu'est-ce qui montre cette intelligence? Je continue sur mes questions, puisque donc vous avez compris, je pense, hein, résoudre des problèmes, la nature, les animaux en sont parfaitement capables. Je commençais à expliquer pour les corbeaux tout à l'heure, ou même les corneilles, qui sont des animaux qu'on considère quasiment aussi intelligents que les grands primates. Elles savent quand le feu est rouge, que les voitures s'arrêtent, et donc jettent les noix sur la route. Elles attendent que le feu, ensuite elles retournent se percher, le feu passe au vert, les voitures écrasent les noix, elles attendent, le feu repasse au rouge, elles viennent récolter les noix qui ont été brisées et donc elles peuvent maintenant manger. C'est assez phénoménal ce qu'on apprend sur les animaux. Autre question, est-ce que le concept d'intelligence est universel? A-t-on le droit de dire d'ailleurs, quelqu'un est intelligent avec notre propre point de vue à nous, ici et là-bas?
Lequel des deux est le plus intelligent? Le businessman de Wall Street ou le chef indien d'Amazonie? Sur quels critères va-t-on se baser? À vrai dire, je pense que l'homme d'affaires de Wall Street survivrait peut-être moins longtemps dans la forêt que l'Indien d'Amazonie à New York. Mais bon. Et puis, entre hier et aujourd'hui, on a toujours tendance à considérer que nous sommes l'aboutissement de l'espèce humaine et que nous sommes plus intelligents qu'avant. Et très récemment, je regardais une étude où des scientifiques se posent la question de savoir si on n'est pas moins intelligent que les hommes de la préhistoire. Il semblerait que notre cerveau fonctionne moins vite. Alors après, on a entendu Jacquard l'autre jour, est-ce que la vitesse est un signe d'intelligence? Sans doute pas. Mais quelque part, on n'a sans doute pas le droit de considérer que nous sommes plus intelligents que nos ancêtres. Alors est-ce que ceux qui construisent des pyramides en verre aujourd'hui sont plus intelligents que ceux qui ont construit les pyramides d'Égypte? Pas sûr. Bon, à cette question-là, nous avons déjà un peu répondu. Je pense que chacun d'entre vous pourrait déjà faire un topo de 10 minutes sur la question. L'intelligence est-elle innée ou acquise? On en a parlé. Pensez à ce bloc de marbre, tous ces éléments, tous ces neurones, tout ce que nous avons, qui vient non seulement de notre espèce, mais aussi de notre patrimoine génétique, de la famille. Et puis ce bloc que l'on transforme en un chef-d'œuvre qui est l'intelligence aboutie ensuite. Est-elle statique ou dynamique? Je pense que vous tous pouvez répondre maintenant, on en a suffisamment parlé. Elle est bien dynamique. Est-ce qu'on ne dit pas trop vite, parfois, qu'un enfant n'est pas intelligent? Je vais vous montrer deux publicités qui datent. Ce sont de vieilles, vieilles publicités, mais à l'époque, je trouve qu'elles étaient pas mal. Vous savez que j'aime la pub, mais ce n'est pas pour vendre des produits. Donc, on va regarder Guy de Graine en classe. Bravo. Merci, monsieur le proviseur. Ah, Guy de Graine. Savez-vous, messieurs, que notre ami Guy de Graine, levez-vous, a le plus beau palmarès de sa classe. Prix de gravure sur les tables, bien entendu. Prix de dessin sur les murs et sur ses cahiers. Car voyez-vous, monsieur Guy de Graine a la passion des plats, des couverts. Mon pauvre Guy de Graine, c'était pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Guy de Graine, il est aujourd'hui le premier. Alors, je ne sais pas, en fait, si cette histoire est vraie, mais je trouve que la publicité est pas mal faite. On est là en présence d'un enfant dont la passion, c'est dessiner, mais surtout pas les disciplines scolaires. Et il y a effectivement, vous la connaissez peut-être, une marque de vaisselle très connue, Guy de Graine. Et alors, il y a une suite à cette histoire, c'est quand le directeur rencontre les parents. Alors, une question intéressante, on pourra en reparler tout à l'heure. Ce n'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie. Qu'est-ce qui fait réussir dans la vie? Grande question. Donc, ne disons-nous pas trop vite qu'un enfant, qu'un élève n'est pas intelligent. Alors, là, vous voyez, ça date un petit peu, puisque c'est en 1979 qu'on a confié à Howard Gardner un projet de recherche. Peut-on mesurer le potentiel humain? En gros, c'était peut-on mesurer l'intelligence humaine. Alors, il a eu ce génie de s'entourer de chercheurs de multiples disciplines. Il semble qu'il y ait eu autour de lui aussi bien des pédagogues, des éducateurs, des sociologues, des médecins, etc. De façon à voir si on pouvait définir ce potentiel humain d'une façon qui serait générale pour tous. Alors, avec eux, il a proposé une définition de l'intelligence. Après toutes ses recherches, après avoir fait le tour du monde aussi, il a dit ceci: l'intelligence, c'est résoudre des problèmes ou créer des liens
seul ou avec d'autres, en utilisant des capacités variées du cerveau, ainsi que les ressources qui sont à notre disposition. Il a donné aussi une autre définition qui peut éclairer celle-là. En fait, il définit une intelligence comme un potentiel biopsychosocial, un peu compliqué, qui permet de traiter des produits qui ont une qui permet de traiter des informations et qui, activé dans une ou plusieurs sociétés, permet de résoudre des problèmes ou de créer des produits qui ont une valeur dans cette culture. Alors, on retrouve quand même l'idée de résoudre des problèmes. On peut même retrouver, je pense, l'idée simplement d'être capable de survivre dans le milieu où on est. Être homme d'affaires à Wall Street, pour survivre, il faut s'y connaître en finance. Chef indien en Amazonie, pour survivre, il faut connaître la nature qui nous environne, ce qui est dangereux, ce qui nous nourrit, et puis apprendre à gérer son peuple. Donc, quelque part, résoudre des problèmes, seul ou avec d'autres. Et puis, créant des produits qui ont une valeur dans cette culture. Et comme, bien sûr, dans chaque culture, les valeurs sont différentes, eh bien, on pourrait presque dire que l'intelligence est différente. Et donc, c'est difficile d'avoir une simple définition de l'intelligence. Mais c'était sa mission. On va écouter ce qu'il a à nous dire tout à l'heure. Et puis, surtout, il nous a invité à envisager une intelligence qui est multiforme. Alors, je vous invite à regarder ce clip du GREN, qui est un centre de recherche d'une université française, qui nous parle de l'intelligence. En France, comme dans de nombreux pays, on pense qu'il n'existe qu'une seule et unique forme d'intelligence. Pire que tout, on pense que les individus naissent plutôt intelligents ou plutôt pas intelligents. Chaque être humain, qu'il vive à Paris, New York ou Tombouctou, se verrait ainsi doté d'une intelligence unique et universelle. Cette intelligence pourrait même se mesurer à l'aide d'un test mondialement connu évaluant le quotient intellectuel, ou QI pour les intimes. Grâce à des épreuves basées sur ce que l'on pensait être l'intelligence jusqu'à maintenant, on pourrait ainsi classer les personnes en deux catégories, les intellos et les moins intellos. Seulement, cette méthode n'est pas très exacte car elle ne prend pas en compte tous les paramètres de l'intelligence. Un jour, un chercheur américain appelé Howard Gardner s'est posé la question de ce qu'était l'intelligence. Selon lui, il est nécessaire de prendre les méthodes actuelles de mesure de l'intelligence avec des pincettes et de les remettre en cause. D'une part, les tests sont effectués dans un contexte tout à fait inhabituel, où l'individu doit répondre à des questions qu'il ne rencontre pas dans son contexte de vie ordinaire. D'autre part, celle-ci se base à 80% sur des compétences limitées, plutôt logiques et linguistiques, qui ne représentent pas toutes les facettes de l'intelligence humaine. Il existe donc bien d'autres types de compétences intellectuelles. C'est d'après ces observations que le professeur a commencé à chercher les différentes compétences utiles à l'homme et à la société. Après de longues recherches, il finit par identifier 8 types d'intelligence. Ainsi naquit le concept d'intelligence multiple. Une de ces intelligences est l'intelligence linguistique. Une personne aimant lire, écrire et ayant un intérêt particulier pour les langues en général sera dotée d'une intelligence linguistique plus développée. Il est donc habile avec les mots et sait toujours exprimer clairement ses pensées. L'intelligence logico-mathématique, elle, est développée chez les personnes à l'aise avec les chiffres. La résolution de calculs ou encore la compréhension du fonctionnement des objets et phénomènes, c'est leur dada. Ils sont capables de comprendre beaucoup de choses liées aux mathématiques ou à la logique. D'autres personnes préfèrent bouger et faire du sport. Agiles de leurs mains, elles aiment toucher ce qui les entoure et parfois même créer leurs propres objets. On les reconnaît aussi à la façon qu'elles ont de parler avec leurs mains. Dans ce cas, on parle d'intelligence kinesthésiste. Quand la musique occupe une grande place dans la vie d'une personne, c'est que son intelligence musicale est développée. Aimer chanter, composer, jouer de la musique ou encore battre le rythme sont les caractéristiques principales de cette intelligence. Il existe également l'intelligence visuelle et spatiale. Celle-ci ne concerne pas les astronautes, mais les individus ayant des facilités pour se repérer dans l'espace. Dessiner, construire ou encore suivre un plan fait partie des compétences dans lesquelles ils sont à l'aise. Il arrive parfois que certains se sentent mieux lorsqu'ils sont seuls.
Être dans sa bulle, aimer profiter du calme, avoir ses propres opinions et être capable de faire un bilan personnel sont quelques-uns des aspects de l'intelligence intrapersonnelle. A l'inverse, on compte aussi des personnes qui adorent développer leur intelligence interpersonnelle. Toujours prêtes à aider les autres, à entrer en contact avec n'importe qui ou à travailler en équipe, elles sont tournées vers autrui. Enfin, lorsque quelqu'un est passionné par la nature ou adore passer du temps en plein air, c'est que son intelligence naturaliste est développée. Ces personnes cherchent à mieux connaître leur environnement naturel et à l'explorer. Aimer, collectionner et inventorier les choses qui nous entourent est aussi un signe d'intelligence naturaliste. Pour Howard Gardner, tout le monde possède ces 8 types d'intelligence, mais chacun d'entre nous les a développés différemment en fonction de son parcours de vie et de son environnement. Ce n'est donc pas la taille du cerveau qui compte, mais la façon dont on s'en sert. Chaque individu a donc un profil particulier qu'il peut améliorer et développer par un travail personnel. Tout le monde est donc intelligent, chacun à sa façon. Ainsi, nous sommes tous différents et bien plus intelligents à plusieurs. Que dit-il sur la question ? Howard Gardner, écoutons-le. Donc ce sont des livres des années 80 hein, que je vous cite là. L'école uniforme impose un même programme de base à tous et ne propose que très peu d'options. Je propose une toute autre approche, débouchant sur une conception de l'école très différente. Il s'agit d'une conception plurielle de l'intelligence qui reconnaît que nous différons les uns des autres par notre acuité cognitive et nos styles cognitifs contrastés. Je voudrais également développer l'idée d'une école centrée sur l'individu, qui prenne au sérieux cette conception d'une intelligence multiforme. Un tel modèle est fondé sur les découvertes des sciences qui n'existaient pas du temps de Binet, les sciences cognitives et les neurosciences. J'ai appelé cette approche la théorie des intelligences multiples. Bon, il s'est posé des questions à un moment sur le mot intelligence. On aurait pu parler de compétences ou autre, mais c'était plus parlant, ou du moins ça choquait plus peut-être au départ, invité à réfléchir hein, et se dire non pas quelle est mon intelligence, mais quelles sont mes intelligences. Alors donc, selon Howard Gardner, chaque être humain possède à sa naissance un groupe d'intelligence. Un autre spécialiste des intelligences multiples, Bruno Hurst, commence son livre sur les intelligences multiples en racontant cette petite histoire de fées. Bon, il n'y a pas de fées en Haïti, mais on a bien l'équivalent en termes de magie ou autre, hein, qui sont donc des bonnes fées. On raconte que l'une des missions essentielles des fées est le don du bouquet à chaque naissance d'un petit homme. Lors de cette émouvante cérémonie, la fée marraine donne au nouveau-né un petit bouquet d'intelligence. Ce bouquet comporte 8 petites fleurs, c'est-à-dire les intelligences appelées à grandir, à se développer et à s'épanouir. Après, ce sera le rôle des parents, des adultes qui entourent l'enfant, de faire grandir ces fleurs tout en conservant l'harmonie du bouquet. Alors il y a une suite à cette histoire, hein. Bon, je n'ai pas tout mis, mais on voit les fées qui reviennent quelques années plus tard et qui constatent que malheureusement, eh bien, dans les bouquets, beaucoup de fleurs ont fané, hein, n'ont pas été soignées. Hein, et en fait, eh bien, elles se disent quand même il faudrait proposer des solutions. Et alors les fées proposent de, par exemple, s'assurer que le bouquet d'intelligence de tous les enfants se développe avec harmonie dès la naissance. Faire en sorte que les adultes arrosent régulièrement les bouquets des enfants pour qu'ils grandissent avec bonheur. Utiliser les rêves pour donner envie à chacun, enfant et adulte, de faire croire ses intelligences, etc. Voilà une petite histoire qui parle pas mal aux enfants, en fait. Alors, chacune de ces intelligences, pour chaque personne, se développera à un rythme qui lui est propre.
Et avec ce qu'on a vu sur la plasticité la semaine passée, elle se développera en fonction de l'environnement. Imaginons un enfant qui a des parents, ou un papa par exemple, amoureux de la nature, qui aime marcher dans la nature, connaître les arbres, etc. S'il fait ça tous les week-ends avec son petit, il va développer sûrement cet aspect-là des intelligences de l'enfant. Certaines seront dominantes. Qui a fait le test parmi vous? Ah, ça, c'est un devoir à faire pour aujourd'hui. Hein. Alors, le jour où vous serez professeur, vous donnerez des devoirs à vos élèves. Accepterez-vous qu'ils reviennent sans l'avoir fait? Alors, je vous encourage quand même à le faire parce que... Alors, peut-être que ceux qui sont en ligne l'ont fait puisqu'il existe une version sur Excel qui donne directement les résultats. Je pense qu'elle y est toujours. Il faudrait la laisser un certain temps, d'ailleurs. Donc certaines de ces intelligences sont dominantes, certaines de ces fleurs vont se développer davantage, d'autres bon, sont un petit peu plus petites, mais peuvent quand même se développer jusqu'à un niveau satisfaisant. Voilà une représentation que j'ai prise sur un site canadien. Les Canadiens, depuis très longtemps, connaissent les intelligences multiples et s'en inspirent dans leur pédagogie, au point que maintenant, quand on va les voir et qu'on leur demande, certains nous disent, mais c'est quoi les intelligences multiples? Tellement c'est comme faire de la prose, hein. C'est tellement devenu dans leurs habitudes d'être sensible à tout cela que bon, ils n'y pensent même plus. Donc voilà ces 8 intelligences, on va les reprendre en détail tout à l'heure. Hein. Ce qu'il est important de voir aussi, c'est que dans une même intelligence, il y a plusieurs manières d'être intelligent. Parce qu'évidemment, je le redirai, on ne peut pas catégoriser, on ne va pas dans cette salle couper les participants en 8 groupes et puis dire, ben, vous c'est ça, vous c'est ça, vous c'est ça. On ne peut pas catégoriser. Et même si 2 personnes étaient par exemple avec un profil dominant en verbal linguistique, certaines, peut-être que ça serait parce qu'elles aiment raconter des histoires, d'autres parce qu'elles aiment écouter Maurice Sixto, d'autres parce qu'elles aiment faire des mots croisés, d'autres parce qu'elles écrivent des poèmes. Donc vous voyez, il y a énormément de variétés à l'intérieur même d'une des intelligences. Et puis de toute façon, elles fonctionnent en corrélation et de façon complexe. On ne peut jamais dire qu'une intelligence fonctionne toute seule. On ne peut pas non plus dire qu'une intelligence correspond à une discipline scolaire, ni à un métier. Alors, il y a des enjeux dans ces intelligences. Tout d'abord, l'enjeu, c'est se connaître. Alors, voilà ce test que je vous avais donné. Quand je fais les formations dans des écoles, à ce moment-là, on fait une pause. Je ne vais pas plus loin pour permettre aux étudiants ou aux professeurs de faire le test parce que j'aime bien que le test soit fait avant que l'on puisse continuer. Donc, vous avez peut-être reçu aussi aujourd'hui, ceux qui ne l'avaient pas, le test à remplir. Simplement j'explique, je l'ai déjà fait la dernière fois mais je rappelle comment il faut faire. Donc vous répondez sans trop réfléchir si non c'est pas du tout vous ou un peu, oui souvent ou à la folie, hein, c'est un peu beaucoup, pas du tout, à la folie, non, je l'ai plus dans l'ordre là, mais... voilà. Et puis à la fin vous remplissez le tableau, hein. Le mieux c'est de le faire colonne par colonne, c'est plus rapide. Et puis à l'arrivée vous faites les totaux de chaque ligne. Ça va vous donner donc un score pour chacune des 8 intelligences. Et puis donc parmi les 8, eh bien vous allez trouver assez facilement celle, singulier ou pluriel, qui domine. Et donc vous pouvez les classer dans le bas, ici par exemple, eh bien interpersonnel avec un meilleur score, puis logico, mathématiques, etc. Et puis donc vous avez ainsi, vous repérez vos 2 ou 3 dominantes, et vos 2 ou 3 fleurs qui sont un petit peu plus fragiles. Voilà. Alors, sachant que le danger, comme je le disais, c'est catégoriser. On ne peut pas catégoriser. Et puis, il n'y a pas de score, il n'y a pas de note. Ce n'est pas la note, le score que l'on obtient dans chaque colonne qui importe, c'est la partition. Donc, on peut avoir des gens qui se ressemblent alors qu'ils n'ont que des scores entre 17 et 25, alors que d'autres, c'est... Ils sont peut-être un peu plus passionnés par certaines choses, ils ont répondu davantage de 4. Voilà. Alors, quand on voit une revue comme ça, moi, ça m'irrite énormément.
parce que ça n'est pas vrai. On ne peut pas poser la question à quelqu'un, quelle est votre intelligence? Là, moi, la question du test que je vous ai posé, c'est plutôt, quel est votre bouquet d'intelligence, si on garde cette image-là. Et puis donc, on l'a dit, dans chaque façon, dans chaque intelligence, il y a plusieurs façons. Ça n'est qu'un test, et c'est un test au jour d'aujourd'hui. Vous savez que si vous n'étiez pas passionné de neurosciences il y a plus de 5 ans, je ne sais pas si ça changerait mon test, il aurait fallu que je le refasse aussi. Mais donc, ça peut changer, c'est simplement un outil modeste de connaissance. Et puis, avec 64 questions, c'est très modeste. Peut-être qu'avec 200 questions, on irait un petit peu plus loin. Alors, là, ce qui serait intéressant pour ceux qui ont déjà un petit peu leur profil, c'est qu'on regarde plus en détail ce que c'est que chaque de ces intelligences. Alors, Gardner a donc défini... Alors, il faut qu'on soit clair, c'est une théorie, on n'a pas le cerveau découpé en 8, mais c'est une façon de comprendre et de classer. Vous avez d'autres théories qui ont parlé de 5 intelligences. Je vous parlerai tout à l'heure aussi de l'intelligence émotionnelle, dont on parle beaucoup, mais qui semble absente. Donc, théorie. Donc, mon intelligence linguistique, capacité à utiliser des mots et le langage sous différentes formes. L'intelligence logico-mathématique, capacité évidemment avec tous les nombres. C'est quelqu'un en général qui aime les nombres, mais pas seulement. Si le fait de s'intéresser aux causes et aux conséquences, c'est quelqu'un qui aime le raisonnement logique, qui aime les déductions. C'est quelqu'un qui ne va pas tenter d'entendre quelque chose s'il n'a pas compris pourquoi. L'intelligence kinesthésique ou kinesthétique, selon les pays, la capacité à utiliser son corps. Alors, soit pour utiliser son corps, par exemple, rassurez-vous, je ne le ferai pas, pour faire un double salto arrière, la gymnastique, la danse, mais aussi parfois simplement quelqu'un qui aime manipuler, qui ne peut pas voir une tablette, un ordinateur ou une horloge sans avoir envie de la démonter pour voir comment ça fonctionne. Tout ça, c'est de la manipulation. Habile avec les objets. Une intelligence dite visuel, spatial. Alors là, il est question d'image mentale. Personne qui n'a pas de voir en réalité pour s'imaginer le plan de sa future maison, par exemple. On verra dans son pour enfant tout à l'heure, un enfant qui voit parfaitement dès le début le chemin pour rentrer chez lui. Pour vous donner une idée, par exemple, moi, si on m'explique comment rentrer chez moi en me disant bah, tu prends la deuxième à droite et puis quand tu verras ceci, je suis incapable. Si je vois un plan, pas de problème. On a chacun ses façons d'appréhender la réalité. Une intelligence musicale, alors au cas où j'oublierais, donc Gardner a bien défini une intelligence musicale, c'est-à-dire pour montrer que certaines personnes ont une grande sensibilité à la musique, au rythme, soit pour la produire, soit pour l'entendre. Mais, d'une façon générale, la musique favorise toutes les intelligences et le développement du cerveau. Parce qu'en fait, la musique développe énormément de compétences. Alors ensuite, vous avez deux intelligences. Une qui est interpersonnelle, donc entre les personnes. Ça, c'est une intelligence relationnelle. Entrer en relation avec les autres, les comprendre. Mais aussi percevoir leurs intentions. Je pense que pour être un bon vendeur, quand j'entends certains vendeurs dans les marchés avec les haut-parleurs, là, qui veulent absolument vendre un produit qui soigne tout, bon, voilà, c'est quelqu'un qui va essayer de faire marcher, qui doit son intelligence interpersonnelle, qui compte les intentions, les motivations, les émotions des autres, bon, y compris pour les manipuler. Et puis, vous avez une autre. Elles ne sont pas antinomiques, on peut avoir les deux. J'ai vu des gens qui avaient leur dominante et en interpersonnel et en intrapersonnel. La capacité à bien se connaître, connaître ses forces, ses faiblesses, faire le bilan de sa vie et être capable de décider et ne pas laisser la vider à sa place, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est à l'intérieur de soi, inter avec les autres. Et puis une intelligence naturelle, alors dans laquelle Gardner avait mis tout ce qui touche à la nature, l'amour de la nature, mais aussi ce qui en découle un peu, tout ce qui est l'amour des collections, aimer classer, aimer ranger. On sait que les biologistes
vous rangez les animaux, vous rangez les arbres, les feuilles dans différentes familles. Voilà, donc ça rejoint un petit peu l'intelligence uraliste. Voilà, donc 8 intelligences, dont normalement, si vous l'avez fait, ou bientôt si vous le faites, vous verrez quelles sont vos dominantes. Attends, on a parfois des surprises. Hein. Alors, j'ai un peu abordé la question la dernière fois. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de mon comptable d'un collège quand j'étais en France? Non, pas encore celle-là. On voyait ça avec les professeurs du collège dont j'étais directeur à Montfort-sur-Meux. Et puis, tout le monde a pu participer. Et le comptable qui était là se dit, bon, moi, je vais faire aussi, mais bon, je sais déjà ce que ça va donner. Un comptable. Il se voyait déjà tout de suite très fort en logico-mathématique. Il a fait le test. Et il est venu me voir un peu dépité. Ah ben non, c'est franchement pas dans mes dominantes. Alors, j'ai souri parce que, du coup, je voyais quelles étaient ses dominantes. Un jeune, très dynamique, dont la passion c'était le ball, qui animait, qui coachait une équipe de basket, etc. Et en fait, ça se traduisait dans... Il était très fort en interpersonnel pour coacher une équipe. Il était aussi très fort en visuel spatial, c'est nécessaire dans le sport. Évidemment aussi en kinesthésique, puisque c'est le corps qui bouge. Et puis, le logico-mathématique venait plutôt tranquillement derrière. Ce qui prouve bien que, en fait, sa passion, c'était dans certains domaines, mais qu'il avait pu développer d'autres domaines jusqu'à un seuil satisfaisant pour son métier. Donc, on peut toujours développer ces intelligences qui sont plutôt moins dominantes. Tout à l'heure, dans le film, vous avez vu donc ce qui était dit sur le QI. Alors le QI, il s'adapte hein, depuis un siècle quand même. Mais globalement, le film que vous avez vu du Graine, il est relativement récent. Hein. C'est l'université d'Angers. Il doit pas avoir plus de 4 ou 5 ans. Hein. Et il présente le QI comme étant à 80% ici. Voilà. Le QI fait beaucoup appel à des compétences logico-mathématiques et linguistiques. Et donc vous imaginez bien que si ce même QI qui devrait soi-disant dire si tout un chacun est intelligent, bah vous le faites à un businessman de Manhattan ou à un indien d'Amazonie, ça ne va pas correspondre. Et on va faire une carte. Il y a des gens qui l'ont fait, mais je n'ose pas la montrer en fait. Une carte des résultats au QI. Et donc on a des pays où personne ne réussit le QI puisque ces compétences-là ne sont pas celles qui servent dans leur culture. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas intelligents. J'ai fait ça aussi avec des enfants de 6e dans ce même collège et je leur avais dit, alors excusez-moi, je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi, vous m'arrêtez si je me répète, je vieillis. Hein, donc, j'avais dit aux enfants de 6e, 11-12 ans, on va parler d'intelligence aujourd'hui. Et là, il y a une petite fille qui me paraissait plutôt timide d'habitude, mais elle est carrément venue me voir au bureau. Elle m'a dit, monsieur, moi ça ne me concerne pas. Non, moi je ne suis pas intelligente. Alors, du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a pu raconter à cet enfant pendant des années pour qu'elle puisse croire qu'elle n'était pas intelligente? J'ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, fais tout ce qu'on demande, tu vas voir, on va parler d'intelligence, tu vas répondre à des questions. Et puis je l'ai revue à la fin, un grand sourire. Je lui demande, veux-tu me montrer ton test? Sachant que c'est privé, hein, donc je ne lui demande pas forcément, elle m'a dit oui. Ah, j'ai dit oui, d'accord, ok. Toi, tu es bien avec tous les enfants de la classe. Tout le monde, enfin, ils sont tous tes amis. Ah oui, moi j'ai aucun problème. En fait, elle avait des intelligences interpersonnelles, mais aussi intrapersonnelles, très développées. Très développées. Mais malheureusement, à l'école, ben, ça ne rentre pas dans les bulletins, ça. Hein, ça ne rentre pas dans les bulletins. Hein, et donc, j'ai entendu quelqu'un d'autre une fois dire, ben voilà, ces intelligences-là, elles sont intéressantes pour réussir dans la vie et ces deux-là, peut-être plus pour réussir sa vie. Donner du sens, donner des valeurs à ce que l'on vit.
Et puis, vous avez des gens, moi j'aimais de temps en temps, alors vous allez me dire, c'est peut-être choquant pour un directeur de collège, mais j'aimais faire venir aussi dans le collège des gens qui avaient très bien réussi, alors peut-être dans leur vie, hein, qui étaient des patrons de petites entreprises, et qui n'étaient pas bons à l'école. Parce que, ben, à l'école, on mesurait seulement certaines choses, alors qu'eux, ils en avaient développé d'autres. Heureusement qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on apprend. Voilà, donc je vous ai raconté par contre l'histoire de l'étudiante en chimie l'autre jour, hein, où le professeur, quand elle lui a posé la question qu'elle ne comprenait pas, la réaction chimique, ben lui, il a joué sur l'intelligence kinesthésique. Il a invité les étudiants à faire un jeu de rôle au milieu, et donc elle n'a pas dit « j'ai enfin compris », elle a dit « c'est tout simple, c'est tout simple ». Voilà, vous aurez ça, vous avez ça dans le document, et puis dans un autre également, je vous montrerai tout à l'heure. Hein? Est-ce qu'il y a éventuellement des questions à ce niveau-là? Oui. Moi, je voudrais savoir où vous auriez situé, par exemple, l'intuition. Parce que en parlant un peu des différentes formes d'intelligence, je pense à la question de l'intuition. Parfois, c'est quelque chose. Il y a des personnes qui sont très intuitives et je trouve que c'est fondamental. Bon, là, j'avoue que vous me posez un peu une colle. Hein. Je n'ai pas vraiment réfléchi à la question. Bon, ça mériterait sûrement. Alors, est-ce qu'on est dans l'intuition, la créativité? On pourra en reparler de la créativité. C'est cette capacité à chercher en dehors de la boîte. Hein, avoir un peu une divergente. Alors, il y en a qui peut-être l'ont plus naturellement, mais ça peut aussi se travailler. Et malheureusement, quand on a un système en classe où il faut toujours rentrer dans le même moule, jamais rien changer, toujours donner la réponse attendue par le maître. D'ailleurs, quelquefois, c'est lui qui la donne avant. Là, du coup, on brise et la curiosité et la capacité à s'aventurer. Et donc, on n'habitue pas les enfants à développer une certaine créativité. Je pense que la prochaine fois, quand on parlera d'éducation alternative, je pense qu'il faudra qu'on parle des 5 qualités qui font réussir dans la vie, mais qui font échouer à l'école. Et la créativité, alors, si on met un petit peu l'intuition avec, c'est un peu différent, il y a de ça aussi. Alors, je pense que, quelque part, notre cerveau, il fonctionne de façon câblée. Et il y a des gens qui vont sans doute avoir des intuitions fulgurantes à certains moments, plus dans un domaine peut-être linguistique, la créativité pour écrire des poèmes d'un seul jet, Mozart. Alors attendez. Oui, par exemple, voilà. Mais on dit que Mozart voyait la symphonie, c'est-à-dire qu'il la voyait pas de façon consécutive, il la voyait de façon simultanée, l'ensemble d'une symphonie. Alors lui avait cette intuition, je dirais musical, si on peut le dire à ce moment-là. Parce que, bon, il y en a peut-être qui se disent, moi j'ai fait mon test, mais franchement, je ne suis pas un génie. Et bien heureusement, je pense qu'il n'est peut-être pas être un génie. Parce que quand on est un génie dans un domaine qu'on a trop développé, eh bien on sait que ben, peut-être que les autres sont un peu moins développés. Hein. Moi, il m'est arrivé de dire à des parents qui venaient inscrire un enfant à l'école ou au collège, oh, vous savez, mon fils est un surdoué. Que répondre à ça? Après avoir vu ça, moi je répondais, ah oui, c'est un surdoué en quoi? Bah, comment ça? En tout? Ah, il a des amis? Ah non, il a beaucoup de mal, c'est pour ça qu'il faut qu'il aille. Bah, vous voyez, ça, il a des choses à apprendre, il a besoin d'aller, il a besoin de vivre en société, il a besoin de développer d'autres types d'intelligence. Je vous parlais l'autre jour de situations où, par exemple, dans la Silicon Valley aujourd'hui, on recrute des autistes. Sont des gens qui ont développé, qui ont des talents exceptionnels, qui souvent en relation sociale ont plus de mal, mais qui peuvent apprendre. Parce que, bon, on en a parlé un petit peu l'autre jour, bon, on voit des témoignages de gens qui ont été atteints par cette maladie et puis qui ont une vie presque normale, hein, à d'autres niveaux, relations, etc. Voilà. Je pense qu'Howard Gardner parlait de génie savant à un moment, voilà. Mais si on a un bouquet avec deux, trois dominantes et quelques moins dominantes,
C'est pas mal. On n'a pas besoin d'être un génie. Par contre, on a besoin d'apprendre à penser hors de la boîte. Alors, comment développer la créativité à l'école? Quand on a un curriculum bien chargé, des programmes bien chargés. Bon, c'est ce que je peux répondre là-dessus, mais je n'ai pas plus étudié qu'intuition. Il y avait une autre question? Alors, je suis juste curieuse de comprendre comment ils ont créé ces catégories. Je suis particulièrement intriguée par la catégorie intelligence musicale et intelligence naturaliste, que je trouve très, je trouve ça très précis. Par exemple, intelligence musicale par rapport aux autres types d'art. Pourquoi cette spécificité-là sur la, pourquoi pas intelligence auditive? Je connais un peu la réponse pour la musique, mais l'intelligence naturaliste, je me demande d'où ça vient. Et ça pose peut-être la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'autres types d'intelligence qui n'ont pas été... Pourquoi ça a été catégorisé comme ça? Ça vient d'où, l'intelligence naturelle? Alors, c'est une bonne question, hein, aussi. Gardner, en fait, a essayé de définir les intelligences comme un potentiel biopsychosocial. Et en fait, même si ce n'est pas complètement, parfaitement séparé, il les a aussi reliés à certaines zones qui sont en action dans le cerveau. Et là, assez clairement, au niveau de la musique, même si la musique favorise l'ensemble, eh bien, il y a une zone qui est plus dédiée à cela. De même que logico-compte mathématique, ça fait appel à des réseaux. Après, c'est une théorie. Ça veut dire qu'une pizza, même si on est 4, on peut la couper en 8. Ou la couper en 12, ou en 16, ou en 7. Là, c'est un choix qui a été fait. Moi, on m'a expliqué en fait que c'était à cause de ces zones du cerveau, et puis ça définissait un ensemble relativement homogène, à part l'intelligence naturaliste, où on a l'impression qu'il a mis dedans tout ce qui restait. Une impression, je ne veux pas juger cet éminent chercheur. Hein. Mais voilà, c'est une théorie. Et puis ce qu'il faut se dire, c'est que comme on n'en a pas qu'une, eh bien, chacun fait son bouquet et sa combinaison pour faire un artiste. Mais un artiste au piano, à votre avis, qu'est-ce qu'il lui faut comme intelligence? Alors, musicale. Vous avez par exemple des enfants, moi j'en ai, hein, au Sénat, au centre éducatif à Cité Soleil, qui sont doués en mathématiques, mais le livre de mathématiques ayant des sujets en français, c'est le français qui leur pose problème. Donc, en évaluation... Moi, il y a des fois où je relis le texte aux enfants parce que je me dis, là, on est là pour les mathématiques, je ne veux pas qu'ils se trompent à cause du français. C'est la question de la double tâche. Même un enfant qui n'arrive pas à bien lire, à lire fluidement, je vous donnerai un exercice de lecture la fois prochaine pour voir si vous savez lire. Et vous verrez qu'il y a des cas où vous ne savez pas. Et quand on ne sait pas, on fait travailler le cerveau d'une telle manière qu'on n'a pas accès au sens. Et donc, un professeur doit tout faire pour éviter les doubles tâches. Et si effectivement, on se rend compte que lorsqu'on fait... Alors, je pense que la question, elle est sur le français créole aussi, non? Oui, voilà, c'est clair. On crée une double tâche chez l'enfant. Ça, c'est sûr. Alors après, au Sénat, je ne suis pas persuadé qu'on ait fait le bon choix. Parce qu'au départ, quand on s'est lancé, il y avait l'attente des parents qui était clairement qu'on fasse les choses en français. On commence en français, on parle en français... Alors du coup, on se rend compte que le créole vient facilement. Mais bon, on parle aussi tous créole. Hein. Et puis, souvent, les explications sont en créole. Mais ça pose des questions. Et je vous dis, là, je ne suis pas sûr qu'on ait fait les bons choix. Mais le tout, c'est d'éviter les doubles tâches parce que l'enfant, il a des fleurs qui déjà sont dominantes, qui peuvent être développées. Moi, je crois que le créole, dans certains cas, il est incontournable. Oui, mais on peut avoir un objectif. Mais les moyens pour y arriver peuvent parfois être un peu différés ou on peut avoir des chemins qui peut-être mettent un petit peu plus de temps. Mais là, c'est très intéressant, j'apprends ce matin, j'ai des enfants qui se préparent au baptême à Cité Soleil, le baptême sera demain matin. Et puis, la sœur qui a préparé les enfants s'est assurée qu'ils savaient leur credo en français. Et puis le père a dit, non, moi je veux qu'ils sachent le credo en créole. Alors c'est intéressant, hein, parce que du coup, c'est vrai qu'en créole, ils vont le ressentir beaucoup plus,
j'allais dire, dans leurs entrailles. Et donc là, pour moi, c'est clair, ça a du sens, hein, que ça soit le créole. Après, ce que disent beaucoup de neuroscientifiques aujourd'hui, c'est qu'il serait dommage de ne garder que le créole sans aller aussi vers d'autres langues, le français, l'anglais, etc. Et les pays, il y a des pays émergents aujourd'hui qui ont fait le choix de garder la connaissance de langues maternelles plus traditionnelles, tout en ayant des langues internationales, permettent un développement plus important de l'enfant. Mais il faut que le chemin se fasse bien. On n'explique pas quelque chose en français à des enfants qui ne comprennent pas le français clair. Mais la double tâche, on y reviendra la prochaine fois. J'avance un petit peu, il pourrait y avoir d'autres questions tout à l'heure, parce qu'on n'a pas fini hein, sur les intelligences multiples. Alors, la façon de présenter ça aux enfants. Ça m'arrive de donner une feuille comme ça à des enfants, et je leur demande d'entourer tout ce qui leur plaît. Bon, et reconnaître, créer la musique, etc. Reconnaître des plantes, etc. Et donc, on voit tout de suite où sont les branches qui sont plus dominantes. C'est une façon plus visuelle, peut-être, de faire le test. Puis avec des enfants, c'est moins difficile que poser 50 questions. Donc, ce qui est intéressant, on va y revenir sur les enjeux des intelligences multiples, c'est que, bien sûr, nous sommes différents et nous sommes plus intelligents à plusieurs. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le film. Alors, moi, je trouve qu'il y a plusieurs enjeux à ces intelligences multiples. Alors, on en parle dans les neurosciences. C'est pas tout jeune. Peut-être avez-vous déjà eu ça dans vos programmes, je ne sais pas. Mais pour moi, les enjeux, ce n'est pas seulement de les connaître, c'est de voir dans quelle mesure elles changent de vie. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette théorie des intelligences multiples? Eh bien, je pense déjà se connaître. Et si je me connais, je m'estime. Je repense à ma petite fille de SM, qui avait une raison de s'estimer elle-même après avoir fait le test. On commence le cours, 50 minutes, hein. Première minute du cours, je ne suis pas intelligente. Dernière minute du cours, waouh, je suis intelligente de la même façon que les autres. Donc, connaissance et estime de soi, et je pense que c'est important. Nos enfants ont besoin de savoir qu'ils sont intelligents, mais que ce n'est pas un temps comme papa, intelligent comme maman, intelligent comme son frère ou sa sœur, mais intelligent à sa mesure. Ça mérite d'être souligné. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut souligner du coup qu'on va estimer les différences. Alors moi, je dis quelquefois à des ados, je suis contre la tolérance. Alors, tout de suite, ça les agir. Oui, parce que c'est quoi la tolérance? C'est accepter la différence. Ça ne va pas plus loin. En fait, ici, il faut non seulement accepter la différence, mais cultiver la différence. Je suis plus intelligent si tu es différent de moi. J'ai toujours aimé, dans mes conseils de direction, avoir des gens qui ne pensaient pas comme moi. Alors, il y a des fois, c'est sportif et fatigant, hein, parce qu'il va toujours y avoir une opposition. Mais cette opposition fera que, quand la décision sera prise, au moins je serai sûr que ah, on a aussi pensé à ce risque-là. Alors ça pose tout un tas de questions, même par rapport à la démocratie. Hein. Je n'entrerai pas dans les détails. Hein, voilà. Estime de soi, estime des différences, culture des différences. Et je pense que les enfants d'aujourd'hui ont besoin qu'on leur apprenne cela dans un monde où on a tendance à vouloir gommer beaucoup de choses. Et puis, c'est une manière de comprendre et d'appréhender le monde. Je vois le monde à travers mes dominantes. Des gens qui voient le monde comme un pays, comme une œuvre d'art. Vous en avez d'autres qui voient un paysage comme étant une certaine logique dans le développement de ce paysage, etc. Hein? C'est aussi une manière d'apprendre et de travailler. Si je suis plus verbal-linguistique, je suis plus kinesthésique, je n'apprends pas de la même manière aussi facilement. Alors ce document, vous l'avez, donc je ne vais pas m'arrêter. C'est un document canadien. Bon, il est intéressant. Bon, le problème, c'est qu'il détermine les choses de façon un peu définitive, donc il faut le prendre avec souplesse. Mais ils ont fait un document où pour chaque intelligence, on la voit à travers les goûts, ce qu'on aime, à travers ce dans quoi on est bon, on excelle,
et comment mieux apprendre. Alors, c'est assez évident, hein, l'intelligence linguistique. On aime lire, écrire, écouter, raconter, et on excelle dans ces domaines. Et pour apprendre, eh bien, on apprendra plus facilement avec des mots, en récitant, en entendant, en écrivant ou en les voyant. Quelqu'un qui est plus logico-mathématique, bon, il aime faire des expériences, il aime résoudre des problèmes, travailler avec des chiffres, comprendre les pourquoi, les comment, la logique. Et il excelle dans ces domaines-là. Et donc lui, il aura besoin de comprendre le pourquoi. Il aura besoin de savoir pourquoi, si deux droites sont parallèles à une même troisième, elles sont parallèles entre elles, par exemple. Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, etc., il aura besoin de comprendre. Apprendre ne suffira pas. D'où le rôle du professeur aussi, de faire découvrir les notions, et pas seulement de les amener sur un plateau. Bon, celui qui est visuel, spatial, il aime et il excelle dans le dessin, la construction, l'imagination dans sa tête. Et lui, il a besoin d'images, il a besoin de films, de vidéos. Il y en a peut-être que ça fatigue toutes mes images, tous mes films, qui auraient préféré que je sois assis à parler tout le temps. Et puis il y en a d'autres qui ne m'entendent même pas en ce moment, qui ne voient que l'écran. On est différents. D'où l'importance, on va y revenir, mais quand on enseigne, je garde le mot enseigner pour l'instant volontairement, eh bien on doit essayer de rejoindre chaque bouquet de fleurs. Celui qui est musical, il aime chanter, fredonner, écouter de la musique, jouer, et il est bon dans ses domaines. Et il apprendra mieux s'il a un rythme, s'il fait une chanson. Hein, avec les enfants, assez facilement, on a des chansonnettes pour les petits, sur les jours de la semaine, sur les mois, etc. Pourquoi on ne ferait pas avec des théorèmes de mathématiques, avec un style de musique qui plaît aux jeunes, hein? Bon, moi, j'aime la musique, mais je ne suis pas compositeur, mais j'ai toujours rêvé d'avoir un bon rappeur qui me mette les théorèmes de mathématiques en rap. Ils ont fait ça dans un établissement d'Angers où tout le cours de sciences naturelles est passé en chanson. Bon, les parents étaient fatigués comme c'est pas possible, parce que bon, vous imaginez à la maison. Hein. Corporel kinesthésique, eh bien c'est celui qui aime bouger, toucher, expérimenter, faire du sport, etc. Et lui, il a besoin de manipuler. Il a besoin de faire des jeux de rôle. Il a besoin de classer des choses. Peut-être que pour comprendre la grammaire en français, il a besoin que la phrase soit découpée en morceaux pour la remettre en l'ordre. J'ai essayé, et le cahier ne suffira pas toujours. Alors, est-ce que c'est un outil pédagogique cher que d'avoir une fille avec des phrases qu'on a découpées en morceaux? Je ne pense pas. Simplement, c'est le fait d'y penser. À Montessori, ils utilisent beaucoup de choses comme ça. Interpersonnel, alors c'est celui qui évidemment aime la relation et il travaillera, il apprendra mieux s'il est avec d'autres. Alors après ça dépend des endroits où on habite, mais je connais une famille qui me dit une fois, mais avant on considérait que chaque enfant devait travailler dans sa chambre ou dans son coin. Et puis il y en a, ça marche bien, et puis il y en a d'autres, il fallait toujours qu'ils soient rendus dans la cuisine pour faire leur travail. Parce que s'ils n'avaient pas de la compagnie avec eux, ça ne marchait pas. Voilà. Chaque enfant est différent. Hein. Et puis, je vous disais des qualités qui font échouer à l'école. Par exemple, travailler avec le voisin, copier, c'est un délit. Hein. Mais dans la vie courante, travailler en équipe, ce n'est pas un délit. Hein. L'intrapersonnel, lui, aimera davantage travailler seul. Il aura besoin de faire des projets plus individuels. Mais de toute façon, qu'on le soit ou pas, je pense que dans nos sociétés, on a à la fois besoin d'apprendre à travailler seul et à travailler en coopération. On va y revenir. Apparemment, c'est très difficile en Haïti de faire travailler les enfants à plusieurs. Hein. Pour avoir une œuvre commune, j'entends. Et puis, naturaliste, hein, la dernière, la nature et tout ce qui touche au classement. Alors, il est clair que quand on fait des cours de sciences nature, si jamais les objets étudiés ne rentrent dans la classe, c'est dommage, c'est dommage. Une fois à Saint-Louis de Gonzague, il y a des années, on allait étudier la chauve-souris. J'ai passé tout mon week-end à chasser les chauves-souris dans les greniers de Saint-Louis à la rue du Centre. Mais je peux vous dire que quand je suis venu avec ma petite cage qui était couverte, les élèves, il va se passer quelque chose.
j'y reviendrai par rapport à la curiosité. Mais voilà, bon, on parle des parties d'une plante. Comment parler des parties d'une plante en primaire sans amener une plante? Ou mieux, si on a la possibilité de sortir. Hein, j'ai vu quelques photos comme ça à Innoved là tout à l'heure. Voilà, des enfants qui sont dans la nature auprès des plantes. On a fait cette formation-là une fois avec des professeurs au Juvena et on avait des élèves de Pétionville qui sont venus pour les exercices faits par les professeurs. Et certains élèves connaissaient leurs professeurs. Ils se disaient, mais ils ne sont pas comme d'habitude. Et puis, pour le cours de science, on est sorti dehors. Mais ça n'arrive jamais. Alors, ce n'est pas toujours facile, il faut voir ce qu'on peut faire. Mais vous, les enfants qui ont besoin de ça. Ce document, donc, vous l'avez hein, dans vos chemises, dans vos cartables. Mais il faut toujours se dire, j'ai mis là, que c'est un bouquet hein, et que nous avons plusieurs possibilités parce que nous avons plusieurs dominants. Et tantôt, nous travaillons facilité par un monde musical, tantôt par un environnement naturel. Donc, les épreuves qu'on leur donne vont avoir. Donc, des enjeux pour enseigner, prendre conscience que je pense, j'enseigne selon mon propre profil d'intelligence. J'ai conscience que moi, j'ai ma manière et que ma manière ne correspond pas à tout le monde. Une fois, dans une réunion avec des professeurs, j'étais content, j'avais fait des beaux tableaux pour expliquer mes choses. Et un professeur qui me dit, Monsieur Barre, vos tableaux, là, j'y comprends rien, ce truc. C'est un professeur intelligent, hein? Mais en fait, elle était plus, je dirais, elle se définissait comme verbale linéaire. Donc elle avait besoin des choses qui se suivent, alors que dans un tableau, déjà, il y a deux entrées. Elle, ça n'allait pas. Voilà, on avait des façons de voir différentes, et c'est vrai dans chacune de nos classes. Les élèves ont un profil différent du mien, différent entre eux, qu'ils doivent connaître aussi. Hein, la métacognition, les enfants à l'école. Est-ce qu'on prend du temps pour leur apprendre à apprendre? Intéressant à étudier aussi. Alors, le sujet est mal choisi, parce que Napoléon en Haïti n'est pas réputé comme... Hein, mais c'est tout ce que j'avais comme dessin et que j'ai trouvé dans un bouquin sur les neurosciences. Voilà. Le professeur arrive et dit, aujourd'hui, je vais vous parler de Napoléon. Mais déjà, le seul fait que je vous dise ça, je suis sûr que dans chacun de vous, il y a quelque chose qui est apparu, pas ce qu'il y a là. Mais bon, c'est le dessin, on est au-delà de tout ça. Et si vous regardez les différents enfants, là, alors je vais mettre là, vous en avez un ici, donc, qui lui voit Napoléon en relation avec ses collègues. Vous en avez qui, elle, voit en fait une frise chronologique. Je parlais de verbal linéaire. Ah, tout de suite, elle positionne Napoléon avec différents éléments, là, etc. Ici, il y avait un qui est déjà en train de chanter Napoléon est mort à Sainte-Hélène, voilà, etc. Son fils Léon lui a crevé le bidon. Et puis il y en a un autre ici, Napoléon est né le 15 août, etc. Il se dit, ah, lui, il se voit déjà professeur. Vous en avez un autre, alors lui, c'est clair qu'il aime bien classer les choses. Histoire, chapitre 1, mardi. Voilà, il commence déjà dans sa tête à présenter son cahier. Vous en avez un ici, lui il est dans la logique et la stratégie. Celui-là, peut-être un peu plus intra-personnel, et il s'imagine comme un grand homme. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, il y en a une au milieu, elle qui situe Napoléon venant d'une petite île française, la Corse, etc. Et donc, quand on parle d'un sujet, chaque enfant dans la classe voit différentes choses. Et en fait, c'est intéressant parce qu'une fois, je me suis retrouvé avec un professeur absent, c'est un professeur d'histoire, et puis il devait y avoir trop de neige, je crois, ce jour-là en France, et puis il n'avait pas pu venir, et je lui ai dit, je vais prendre les élèves. Alors moi, l'histoire, ça n'a jamais été mon truc, hein. Mais j'ai fait, en fait, je me suis dit, je vais écouter tout ce que les élèves vont à me dire sur l'Empire romain. Simplement, je vais faire un dessin heuristique. Donc j'ai écrit Empire romain au milieu du tableau. Qu'est-ce que vous savez? Eh bien, il y en a qui ont insisté sur les armées romaines, il y en a qui ont insisté sur les maisons romaines, il y en a qui ont parlé de la Limène, il y en a qui m'ont raconté qu'ils sont allés visiter Rome, est-ce qu'il en... etc. Et en fait, on a couvert le tableau, je pense qu'au final, tout le chapitre était là, en s'appuyant sur les enfants, mais qui voyaient des choses différentes et complémentaires, parce qu'il faut évidemment inviter celui-là
de temps en temps à chercher la frise chronologique. Le chanteur d'en haut, il faut aussi qu'il voit comment les choses se sont passées, etc. Ouvrir, développer les autres fleurs. Alors, excusez-moi, le sujet de Napoléon est récent en Haïti, mais j'ai demandé à un dessinateur, tiens, mais Madame Anouk, un très bon dessinateur, peut-être qu'il faudrait qu'on y pense. L'équivalent de ce dessin-là. Donc, les élèves ont un profil différent du mien qu'ils doivent connaître aussi. C'est intéressant pour un enfant de savoir comment il va apprendre plus facilement, et pas seulement en récitant des choses. Se poser la question, est-ce que je rejoins tous les élèves en impliquant plusieurs intelligences dans mes cours ? Par exemple, en variant les supports. Je peux varier les supports, je peux avoir des images, je peux avoir du texte, je peux avoir de la chanson. Pourquoi un professeur d'anglais n'utiliserait jamais de chansons anglaises ? Pas besoin de beaucoup de matériel, maintenant tout le monde a un téléphone avec des chansons téléchargées. Donc varier les supports en manipulant ou non, etc. Les façons de travailler, est-ce que c'est de l'interaction ? Est-ce que c'est de l'apport d'informations ? Est-ce que c'est de la collaboration ? Est-ce que je laisse les élèves chercher entre eux ? Est-ce que je laisse les élèves débattre ? Alors, Gardner, lui-même, a défini 5 façons d'entrer. Lui, il considère en fait qu'un sujet, une pièce, qui aurait 5 portraits. Donc il les a définis comme suit. Un mode d'entrée narratif, par une histoire ou un récit. Un mode d'entrée plus logique, quantitatif, considération numérique ou de la logique, pour comprendre. Un mode d'entrée fondateur. Là, on est dans les aspects philosophiques et terminologiques. Là, on est dans les questions fondamentales. Peut-être un peu plus pour les intrapersonnels, pas trop pour les kinesthésiques. Il y a une approche esthétique. Donc là, on est d'abord dans les éléments sensoriels. On manipule. Le dernier mode d'entrée, non, c'est celui-là où on manipule, est l'approche expérientielle, où certains élèves apprennent mieux par une approche manuelle. On découpe des petites cartes des aliments, puis on leur demande de classer les aliments énergétiques, etc. Ou de classer les vertébrés. Ça aussi. Du coup, ils se mettent à 4 ou 5, ils sont d'accord, pas d'accord, ils ont des doutes. Et ils arrivent à quelque chose en manipulant. Et il disait que quand Einstein, on y revient souvent à Einstein, avait réfléchi à un problème, il cherchait toujours à l'exprimer de manière aussi diverse que possible, afin de le rendre intelligible à des personnes de formation et d'habitudes de pensée très différentes. Il aimait formuler ses idées à l'usage des mathématiciens, des physiciens, des philosophes, et même de gens dits dépourvus de pensée scientifique, pourvu qu'ils soient prêts à réfléchir en toute indépendance. Voilà, donc comment peut-on varier les manières d'aborder un sujet ? Et puis surtout, comme nous disait Albert Jacquard, l'intelligence, c'est refuser de ne pas comprendre. Et donc un enfant qui lève la main, déjà, il est intelligent parce qu'il refuse de ne pas comprendre. Mais que fait l'enseignant quand un enfant lui dit « je n'ai pas compris » Très souvent, il refait la même explication. Alors si c'est parce que l'enfant n'avait pas écouté, ok, très bien. Mais si l'enfant a besoin d'une autre porte d'entrée comme ma jeune étudiante en chimie, ça ne va pas marcher. Donc quand on réexplique à quelqu'un, est-ce qu'on ne peut pas du coup manipuler, faire autrement, etc. Howard Gardner toujours. Les individus diffèrent les uns des autres par leur profil intellectuel. L'éducation doit être conçue de manière à répondre à ces différences. Et au lieu de les ignorer et de prétendre que tous possèdent ou devraient posséder le même type d'esprit, nous devrions au contraire assurer une éducation qui maximalise le potentiel intellectuel de chacun. Une éducation qui maximalise le potentiel intellectuel de chacun. Les enseignants ont toujours su que les apprenants étaient différents. Ils ont néanmoins toujours voulu croire. Tous pouvaient apprendre de la même manière. Alors, dans la pratique, cette conception ne pose pas de problème à ceux qui bénéficient d'une souplesse d'apprentissage, je dirais dès l'enfance, qui ont eu un paquet cadeau, en particulier, leur donne une ouverture. Mais ce système a ses laissés pour compte. Les élèves qui ont envie d'apprendre, mais dont les styles d'apprentissage ou les profils d'intelligence ne sont pas en phase avec les pratiques d'instruction dominantes.
intéressant, initier les élèves. Les élèves ont besoin de savoir et il y a des outils qui sont là pour les aider. Alors, petite récréation pour les gens qui ont une intelligence musicale. Mot à mot, cœur en soi, calculine, agilo, brin de nature, bout en train, clé de sol, imagio, découvre les multibrios, chacun est un petit génie, qui vit en toi comme par magie, lorsque tu penses et que tu agis, lorsque tu penses et que tu agis. Tu as-tu plaisir à dire des mots bizarres ou qui font rire? Quand tu as hâte de pouvoir lire tout ce qui est écrit dans les livres? Quand tu récites toutes les paroles de beaux poèmes, même en créole? Quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est mot à mot qui vit en toi, c'est mot à mot qui vit en toi. Tu t'amuses à calculer combien y a de pommes dans un pommier. Quand tu cherches comme un détective à trouver les causes de ce qui arrive. Quand sans arrêt tu te questionnes pour savoir comment les choses fonctionnent. Quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est calculine qui vit en toi, c'est calculine qui vit en toi. Ton corps, quand tu t'amuses à faire du sport, quand tu rentres à quatre pattes, ou quand tu sautes des obstacles, quand tu fabriques de tes mains d'extraordinaires machins, quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est Agilo qui vit en toi, c'est Agilo qui vit en toi. Tu écoutes de la musique et que tes pieds battent le rythme. Quand tu entends une belle chanson, quand tu reconnais toutes sortes de sons. Quand tu joues d'un instrument ou quand tu siffles dans le vent. Quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est clé de sol qui vit en toi, c'est clé de sol qui vit en toi. Tu construis ponts et maisons en blocs de bois ou en carton. Quand tu te rappelles le chemin qui mène à l'école le matin. Quand tu dessines sur du papier des formes réelles ou inventées. Quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est Imagio qui vit en toi, c'est Imagio qui vit en toi. Tu fermes les yeux et vois ce que tu ressens au fond de toi. Quand tu comprends très bien pourquoi tu veux ceci et non cela. Quand très souvent toi tu préfères te retrouver seul en solitaire. Quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est cœur en soi qui vit en toi, c'est cœur en soi qui vit en toi. Volcan, abeille, sont pour toi grandes merveilles. Quand tu cherches à mieux connaître les animaux et tous les êtres qui vivent dans l'eau, qui vivent dans l'air et même en dedans de la terre. Quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est brin de nature qui vit en toi, c'est brin de nature qui vit en toi. Quand tu te fais des tas d'amis qui écoutent ce que tu leur dis. Quand tu essayes de faire la paix entre tes amis qui chicanaient. Quand tu te sens bien en équipe, que tout le monde te trouve sympathique. Quand, mon ami, tu fais tout cela, c'est bout en train qui vit en toi, c'est bout en train qui vit en toi. Mot à mot, cœur en soi, calculine, agilo, brin de nature, bout en train, clé de sol.
Maggio. Découvre les multibrios. Chacun est un petit génie qui vit en toi comme par magie. Lorsque tu penses et que tu agis. Lorsque tu penses et que tu agis. Ça a été fait par des Canadiens, la conférence scolaire des affluents, je pense, où il y a beaucoup d'outils, puisque même pour chaque intelligence, je crois qu'il y a un clip différent. Hein, donc, initier les enfants, et puis avec ses propres enfants à soi, leur montrer qu'ils sont intelligents, dans quoi ils se reconnaissent, quel est le personnage qu'ils préfèrent. Les multibrios, c'est pas du tout difficile à trouver, les multibrios. Hein, initier les élèves, ça leur permet de leur donner confiance dans leur propre potentiel. Ça leur permet de changer de regard sur l'intelligence. Bon, des choses qu'on a déjà dites, ça les responsabilise aussi dans le domaine de l'apprentissage. Ça les rend acteurs. Ils savent comment ils doivent apprendre pour être plus efficaces. Et puis, ça permet d'entrer dans l'esprit d'un développement de soi et non pas de profil déterminé définitivement, etc. Alors, bon, les risques ensuite, c'est de catégoriser les élèves. Je suis tombé sur des films sur Internet où il y a des écoles où les enfants sont classés par intelligence, comme s'ils n'en avaient qu'une. Alors, moi je suis logico, et toi musical. Bon, et dans une classe comme ça, ils sont rangés. Bon, c'est pas trop ça. Hein. Ensuite, vous voyez que finalement, on ne peut pas associer une intelligence à une discipline scolaire. Pour faire de la philo, je pense qu'il faut savoir raisonner, il faut de la logique, il faut bien sûr du linguistique, et puis peut-être aussi d'intra. Et puis, les intelligences multiples ne sont pas une méthode pédagogique en soi. C'est plus un changement de regard, une sensibilité à avoir pour se dire, voilà, comment je suis, comment je peux rejoindre mes élèves qui sont différents. Et puis donc, il n'y a pas d'outil tout fait, simplement se poser la question. Moi, l'exercice que je donne aux enseignants quand on est en formation sur quelques jours, eh bien voilà, maintenant vous vous mettez par deux ou trois, si possible par matière, et puis vous m'imaginez, vous imaginez une nouvelle en utilisant au moins deux ou trois intelligences inhabituelles. Et finalement, quand on y est, c'est compliqué que ça. On n'est pas obligé d'aller à la chasse-souris à chaque fois. Voilà. Alors, sur les intelligences, j'ai trouvé l'autre jour une petite phrase que j'ai trouvée intéressante. Hein. Si le cerveau est un orchestre, alors l'intelligence, c'est la musique. Hein. Et la musique, eh bien, il y en a des types différents. Hein. Alors, un petit mot pour terminer sur la partie intelligence, sur la question intelligence émotionnelle. Si on écoute Goleman, bon, il met dans l'intelligence émotionnelle la conscience de soi, la capacité à comprendre ses émotions. Là, ça vous renvoie à quelle intelligence? À votre avis? Intra-personnel, oui, tout à fait. L'autorégulation, la maîtrise de soi, ça rejoint aussi un petit peu ça. La motivation interne, là on n'est pas directement dans le domaine des intelligences selon Gardner. L'empathie, alors l'empathie là on est plutôt dans quel domaine? Interpersonnel, oui. Les aptitudes sociales, bon c'est la même chose. Voilà, donc on est bien dans l'inter, pas mal. Donc lui, voilà, il a défini un petit peu comme ça, en 5 points. Et vous voyez qu'au final, ce n'est pas contradictoire avec ce que Gardner nous dit. Simplement, si on devait faire une séance sur l'intelligence ou les intelligences émotionnelles, on les présenterait davantage comme ça. Donc ça, c'est Coleman. Et puis, vous avez aussi un autre psychologue, Robin Barhon, qui parle, lui, clairement de compétences intrapersonnelles, de compétences interpersonnelles. Celui-là, il s'est appuyé sur les intelligences multiples. De l'adaptabilité. Alors ça, c'est intéressant aussi. On parle beaucoup de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Hein, mais suite à ce que je vous disais l'autre jour sur le monde en changement, il faut aussi peut-être qu'on se forme et qu'on forme nos élèves au savoir-devenir. Le savoir-devenir. Avec tous les métiers qui n'existent pas encore ou ceux qui n'existeront plus. Il met aussi dedans la gestion du stress, on va en parler. Donc gérer le stress, c'est de l'intrapersonnel, hein, c'est être capable de travailler sur soi. Général. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire là, c'est un petit peu vaste, hein. Mais voilà ce qu'il met, donc comment il définit les intelligences émotionnelles. Et puis donc, ici, il donne également un schéma, vous voyez, qui est relativement complexe, on ne va pas s'attarder tellement là-dessus. Ce que je voulais vous dire, simplement, parce qu'il y a des gens, une fois, qui m'ont dit, mais t'en parles pas du tout, alors que c'est présent quand même, oui,
C'est quand même une combinaison des autres. Et puis, il est vrai que l'intelligence émotionnelle change beaucoup de choses. S'il n'y a pas d'émotion, ce n'est pas intéressant. Moi, je vous avoue que si je suis dans une salle à parler d'un sujet qui me passionne, si je ne rencontre que rire, je pense que je suis moins bon. Quand on est professeur, qu'on a des classes, on faire en sachant revenir au travail. Moi, j'étais en collège à un moment comme simple professeur, où j'avais deux classes de cinquième. Il y en a une dans laquelle on riait, on revenait au travail, c'était agréable. Les élèves venaient avec plaisir, je les disais. Puis l'autre classe dans laquelle il fallait toujours serrer la corde. Je pense que mes cours, d'autre part, étaient moins intéressants. Et que, bon, du coup, la relation ne passait pas. Hein. On sait que l'émotionnel, ça joue beaucoup. Et dans l'éducatif, et en management aussi. Hein. Voilà. Comment on peut la résumer? La capacité, je l'ai dit aussi, à percevoir ses propres émotions ainsi que celles des autres, intra-inter, à les comprendre, à les utiliser, à les réguler pour atteindre un objectif clairement défini. Alors sachant que l'intelligence émotionnelle, c'est comme l'intelligence interpersonnelle, ça peut servir à manipuler des foules. Hein. Cela met donc en avant une connaissance précise, puis une analyse rationnelle des émotions. Tout un travail. Reconnaître ses émotions. Accepter ses émotions pour développer une intelligence nouvelle. Travailler avec ses émotions, important aussi dans la partie mémorisation. Je pense que vous avez ces liens sur le site. Là, je termine avec les intelligences. On va faire une petite pause si vous voulez. Vous pouvez retrouver la vidéo du Graine. Il suffit de taper dans un moteur, si vous n'avez pas le lien sur Internet, mais je pense qu'il y est, Graine intelligence multiple. Vous retrouvez le clip qu'on a vu tout à l'heure. Les multibrios. Bon, évidemment, vous n'allez pas noter l'adresse, hein, mais vous tapez multibrio, vous allez directement tomber sur YouTube. Les bios. Puis tout ce qui touche à Gardner, j'aurais pu mettre Bruno Hurst aussi. Mais si vous tapez intelligence multiple, vous allez trouver énormément de choses. Alors après, il faut faire du tri. Préférez plutôt ce qui vient de sources éducatives reconnues. Le ministère d'éducation nationale, de centres de recherche, etc. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'exploitations, parfois, ou de neuromythes qui sont mis en œuvre. Voilà. Petite pause, et puis ce que je vous propose, c'était prévu dans le plan, c'est qu'ensuite on commence déjà les conditions de l'apprentissage. Hein, on va reprendre des choses qu'on a déjà vues, mais on va aller beaucoup plus en détail sur les questions de stress, de sommeil ou d'alimentation. Voilà. On se donne combien de temps? J'aimerais que ça ne soit pas trop long, évidemment. 5 minutes, donc à moins 10, on reprend. C'est le soir de donner un petit peu d'air à nos cerveaux s'il y en a besoin, voire un petit peu d'eau si vous en avez.